Dans le reste de l'actualité, l'ONG Togo Debout pour le développement durable a offert 50 poubelles à l'Union musulmane du Togo ce samedi à Lomé. Il s'agit pour elle d'accompagner l'Union musulmane dans ses activités d'assainissement et de protection de l'environnement. Le résumé Marie Agbo avec la voix de Ferdinand Diassoa. 50 poubelles pour les mosquées de Lomé. Le don est ici réceptionné par l'Union musulmane du Togo. Ces poubelles seront placées à l'entrée de certaines mosquées ciblées dans le but d'inciter les fidèles à toujours garder leur environnement propre. L'islam est une religion de pureté et qui tient beaucoup compte de l'environnement. Le geste que vient de nous faire l'ONG Togo Debout pour le développement nous va droit de cœur. Cela permettra donc à la communauté musulmane, plus précisément, nos lieux d'adoration, nos mosquées, désormais dotés de ces poubelles, de pouvoir garder nos lieux d'adoration simples. Ce don est un moyen pour l'ONG Togo Debout pour le développement durable de sensibiliser la communauté musulmane, surtout en ce premier samedi du mois, sur la salubrité publique. C'est un combat que l'ONG Togo Debout pour le développement durable mène depuis 10 ans. Et nous continuons par faire la sensibilisation. Et cette fois-ci, nous avons mis le cap sur les confections religieuses. 50 poubelles aujourd'hui aux mosquées. Et nous espérons en ajouter d'autres dans les jours à venir, afin que toutes les mosquées du Togo soient couvertes et que petit à petit, les églises aussi commencent par en avoir, afin que nous puissions mettre des poubelles un peu partout à Lomé pour que l'action de sensibilisation trouve écho favorable auprès de toutes les populations du Togo. Le geste s'inscrit dans le contexte du projet 100 poubelles lancé par l'ONG Togo Debout pour le développement durable qui s'est engagé depuis lors à œuvrer pour la protection de l'environnement. D'autres localités seront également touchées très prochainement par ce don.